société, je l'ai commencée il y a 25 ans. Nous étions à l'époque dans un petit village qui s'appelait Arbonne, près de Barbizon. J'ai une formation de graphiste. J'ai passé 2 ans à San Francisco pour avoir un bachelor of fine art. Je suis tombé malade dans la société où je travaillais à l'époque. Et ma femme m'a amené une maquette de bateau que j'ai entièrement dépiautée et qui, à la fin, ne ressemblait plus du tout à un bateau. Ça ressemblait à une petite scène miniature que j'avais réalisée. Et petit à petit, j'ai commencé à faire 1 boîte, 10 boîtes, 15 boîtes et que j'offrais donc à droite à gauche et que après je vendais donc aux personnes qui désiraient. Nous avons commencé à faire des expositions à Paris. La première exposition c'était au Métier d'Art de France, ensuite à Bijorka et là dès le premier salon ça a marché tout de suite. Et finalement donc on s'est mis à vendre dans quasiment tous les pays du monde, mais au bout de 20 ans. On a beaucoup de cadeaux pour hommes dans la mesure où on a du mal à en trouver en général dans le commerce. Et à part la cigarette, à part l'étui à cigarette, la cravate, la ceinture, etc. Et donc on est quasiment 80% dans le cadeau pour hommes. Il y a énormément de clients qui vous demandent des produits très, très ciblés, très personnalisés. Peu importe que ce soit des voitures, que ce soit du golf, que ce soit de la moto, ils veulent leur marque de voiture, la couleur de la voiture, la plaque d'immatriculation et toute la personnalisation qui vient autour. Et en fait, je me mets à la place du client. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir de recevoir? Voilà en gros le sens de ma vie aujourd'hui, c'est de créer, c'est créer, toujours créer. Et tout ce que les clients demandent, on le fait. Donc on a travaillé pour des boîtes assez prestigieuses comme Louis Vuitton, Mercedes, pour BMW, Fiat, Renault bien sûr. Je me rappelle de Bruce Willis, John Travolta, la Reine d'Espagne, Alain Prost, Schumacher. Tout ça, c'est fait. Ça rentre, si vous voulez, un petit peu dans nos cœurs, le fait d'avoir travaillé pour des gens comme ça, qui ont apprécié notre travail et qui l'ont acheté, en fait.